Le demi-grand axe de l'orbite de la planète Neptune est environ 30 fois plus long que celui de la Terre. Calcule la période de révolution de la planète Neptune. Voici une simulation. Et voici les données. Nous savons juste que la longueur du demi-grand axe de Neptune vaut 30 fois celle de la Terre. Et ce que nous cherchons, c'est la période de Neptune, période que nous exprimons en années. La période de révolution de la Terre vaut 1 an. Pour trouver le t indice n, nous allons appliquer la troisième loi de Kepler, loi dans laquelle nous pouvons remplacer le an par 30 fois ae. Et c'est ainsi que nous trouvons cette égalité-là en remplaçant encore la période de la Terre par 1. De cette égalité-là, nous déduisons celle-là, parce que 30 au cube, ça fait 27 000, et 1 au carré, c'est 1. Cette égalité-là peut être simplifiée par ae au cube, donc ces deux facteurs sont partis. Et de là, nous pouvons déduire que la période de Neptune est égale à la racine carrée de 27 000, qui vaut à peu près 164,32. Donc, la période de révolution de Neptune autour du Soleil vaut à peu près 164,32 années.